Bonjour à tous, c'est Doc McCoy, on se retrouve pour le test de Dungeon Keeper sur PC, développé par Bullfrog, édité par Electronic Arts, c'est sorti en 1997, c'est encore un jeu issu de l'imagination du développeur Peter Molyneux, comme Syndicate, comme Theme Park, Theme Hospital, que je vous ai déjà testé. C'est un God Game hein, dans lequel on joue le gardien d'un donjon, qu'on va devoir agrandir, fortifier, afin de conquérir des territoires voisins et faire régner la terreur et le chaos. Il y a les crédits qui se déclenchent avec la musique, on s'en fout un petit peu. Je vais charger. Alors, ce que je vais faire, normalement, ce jeu, en fait, vous pouvez sauvegarder ou charger des parties. Et il y a aussi une fonction continuer la partie qui relance la dernière partie jouée. Et je me suis arrangé pour que la dernière partie jouée ce soit l'un des premiers niveaux. On va pas commencer au tout début du jeu parce que les premiers niveaux sont vraiment très didactiques. Il y a vraiment très peu de choses dedans parce que c'est des tutos tout simplement. Et donc, je vais démarrer un des tutos, mais pas le. Je crois que c'est le quatrième niveau. Ouais, c'est ça, tuto numéro 4. Parce que les premiers niveaux, on fait vraiment rien dedans. Là, on va montrer quand même quelques pièces. Et après, plus tard dans le test, je vous montrerai une partie un petit peu plus avancée pour vous montrer davantage de monstres. Et re les crédits. Non, c'est pas les crédits, c'est l'intro qui se déclenche. Je vais faire donc continuer la partie. Voilà, ça c'est la carte du monde. Je vous montre vite fait. Bon, ça va un peu vite parce que le jeu est lancé sur une machine un peu plus puissante que ce qui était nécessaire à l'époque. Pareil pour les petits crachotements de temps en temps, c'est un petit, tout petit problème d'incompatibilité, mais c'est à peu près les seuls problèmes qu'on aura. Et voyez en fait, les premiers niveaux ils sont là. Et ils sont tout en flammes parce que je les ai passés. Et le but en fait, ça va être de recouvrir la carte de flammes, de cendres, en faisant tous les niveaux. Donc nous on va faire celui-là, et ici la particularité, ça il me semble que c'est un niveau caché. Et que là je peux pas y aller, mais que si je lance le jeu cette nuit à minuit, parce que c'est a priori c'est la pleine lune, on peut y accéder. Pour accéder au niveau caché, il faut lancer le jeu un soir de pleine lune. C'est un truc de fou ça. Donc je vais lancer, vous voyez le T c'est pour tuto, après tous les autres il n'y aura pas le T. Donc voilà comment ça se présente Dungeon Keeper. Donc je vais vous parler, donc on va dézoomer un petit peu, on y verra mieux. Je vais vous parler un petit peu du jeu. Vous voyez qu'on dirige, on peut diriger la carte avec le clavier. On a une touche, ça peut être CTRL ou ALT GR par exemple, pour tourner, faire tourner la map. Et on peut aussi déplacer avec les flèches et on peut zoomer, dézoomer. Vous voyez par exemple, petit bonhomme là, hop, on peut zoomer comme ça. Voilà. On dirige en fait, nous ce qu'on dirige c'est la main, notre main ici, vous voyez la main du diable. Quand on bouge pas on la voit normalement. Non, faut se mettre sur un, voilà, vous voyez, quand je me mets sur un monstre, j'ai la main du diable. Ça c'est notre main, et avec ça on va pouvoir faire plusieurs choses. La première chose, ça va être par exemple d'assigner à nos lutins qui sont là, une zone à construire ou à creuser. Par exemple, ce qu'on va faire ici, on va creuser ici parce qu'il y a de l'or. Faut commencer, c'est par là qu'il faut commencer en fait. Il faut commencer par récolter de l'or tout simplement. Donc là par exemple je vais faire ça. Et vous allez voir ils vont se précipiter normalement. Précipiter, oui. Voilà, ils vont se précipiter dessus pour creuser. Et ils vont creuser tout ce que je leur dis de creuser. Alors par contre là j'ai pas de salle du trésor. Je vais construire une salle du trésor. Vous voyez ici cette icône là c'est les salles que je peux construire. Je vais construire une salle du trésor. Donc vous voyez avec le clic droit. Avec le clic gauche, on appuie. On peut désélectionner ce qu'on a sélectionné avec le clic droit. Pareil, hein, ici, si je ne veux plus qu'ils creusent quelque chose, je fais clic, je refais sur le clic gauche et ça s'enlève. Donc là, ils vont passer un certain temps à creuser ici. Donc en fait, comment dire, le but du jeu déjà, c'est de protéger ça. Ça, c'est le cœur du donjon. C'est aussi notre âme vitale à nous, le gardien du donjon. Si ça c'est détruit, le donjon est détruit et on a perdu la partie. Mais après, ça va passer par pas mal de choses. Les gens nous disent le but de la mission ici, c'est construisez votre donjon avec les salles à votre disposition et réclamez le portail le plus proche. Mais ne vous aventurez pas au nord, les ennemis très puissants y sont tapis et il ne vaudrait mieux pas les déranger tant que vous ne serez pas prêt. Ça, c'est les indications de début de mission. Vous voyez, on voit la carte. Nous, on est là.
Et le nord, c'est là. Donc avec les salles des ennemis et tout ça. Et donc on va pas y aller tout de suite, mais on va y aller à un moment donné. Hein. On va quand même y aller à un moment donné. Donc ici, en cliquant sur la carte, je peux voir ce qui se trouve. Donc là, j'ai demandé qu'ils extrayent l'or. Ça va me créer une nouvelle salle au passage. Et après, je vais aller réclamer ça, qui est un portail. Et le portail, ça va me permettre... ça va me permettre d'avoir accès à des créatures. Là, je vais leur demander de construire une salle pour construire autre chose. Là, je vais avoir une autre salle, c'est bon. Et puis, je vais en construire après d'autres, on verra bien. Alors, un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est quand on a une créature comme ici, les lutins. Les lutins, c'est la seule créature qu'on peut créer et qu'on peut... Qui va nous faire obéissance en tout en fait. Là je peux prendre une créature et je peux la lâcher. Si je veux qu'elle fasse une tâche particulière par exemple, je la mets là et là elle va creuser ici. Vous voyez, ça se met à creuser. Si on regarde, on voit qu'il creuse. Il arrête en fait ce qu'il était en train de faire pour faire autre chose. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on fait clic droit sur une créature, regardez par exemple le mes lutins là, celui-là il va relativement vite. On va attendre qu'il... Voilà. Vous voyez celui-là il est occupé à paver la pièce. Normalement si je fais ça, clic droit, il va aller plus vite parce que je lui ai foutu une mandale. Ça c'est excellent. On peut foutre des mandales. Alors on se dit ça sert à rien. On peut foutre des claques à nos créatures pour les faire bosser plus vite. Donc là j'ai créé une pièce. Je vais créer ce qu'on appelle un antre. L'antre c'est la maison en fait. C'est les logements des créatures. C'est là qu'ils vont habiter. J'ai une pièce ici qui va me servir pour le couvoir. Le couvoir c'est un poulailler en fait. Il va y avoir des petits poulets dedans. Et c'est ce qui leur sert de garde-manger. Ils vont tout seuls comme des grands manger ce qu'il y a dedans. Et là on va ouvrir le portail. Donc on va demander à nos lutins, hop, viens là toi, hop là, de creuser vers le portail. Et vous allez voir la particularité de ce jeu par rapport à un jeu de stratégie ou à un god game classique. C'est que dans un god game classique ou un jeu de stratégie temps réel, quand vous voulez créer une unité, bah, il faut avoir par exemple le bâtiment qui sert à fabriquer telle ou telle unité. Je sais pas moi, par exemple une caserne, etc. Des bâtiments qui servent à créer des unités et de l'argent en général et on crée ces unités. Là, on doit attendre qu'ils viennent d'eux-mêmes. Par exemple là, on me dit il y a un scarabée qui vient d'arriver. Le scarabée, je le prends, je le mets là. Il fait tout seul sinon. Là, je vous montre. Il va créer sa maison. Et donc là, il habite ici. Pour l'instant, il fait rien. Il se repose. Et je vais lui donner du boulot. Je vais créer une autre salle. Hop, une autre salle que je vais mettre ici, que je vais faire assez grande. Pour l'instant, je m'occupe pas trop des filons d'or qu'il y a là. Je vais leur demander de creuser un autre filon... Non. Je vais leur demander de creuser un autre filon. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Il y en a un peu partout, mais ils sont un peu loin. Bon, sinon je peux utiliser ça. Ça c'est des gemmes. Il y en a pas souvent dans le jeu. C'est comme un filon d'or, mais en illimité. Par exemple les filons d'or, vous avez vu, ils les creusent. Hop, voilà. Je vais agrandir la salle parce que les gemmes ça va assez vite. Ah oui, ça conduit là. Mais c'est pas grave, ça me fera une salle d'entraînement. J'espère juste qu'il n'y a pas déjà des ennemis. Ils disent de pas aller au nord. Normalement, si je vais là, il y a des ennemis. Mais ils vont pas venir m'emmerder, logiquement. Donc là, ils vont paver la zone. Et donc, il faut que vous sachiez qu'un lutin, il creuse d'abord. Ensuite, il met des pavés. Et à partir du moment où il y a des pavés, on peut interagir sur la zone. C'est-à-dire qu'on peut construire, comme ici, je vais construire ce qu'on appelle la salle d'entraînement. Je ne vais pas la construire si grande tout de suite. Je vais la construire comme ça et je l'agrandirai au fur et à mesure. Ça sert à rien de construire trop grand. Vous voyez, mes créatures se font attaquer parce qu'il y a des archers ici. Mais si mes créatures vont pas trop loin, il devrait pas y avoir de problème. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que mes monstres... Donc là, j'ai eu un... C'est quoi ça déjà? Un démon avorton, des scarabées. Je vais mettre tout ça à l'entraînement. Vous avez vu que chaque ennemi... Hop, chaque ennemi, chaque personnage a au-dessus de sa tête un chiffre. C'est son niveau d'expérience. Et en fait, en les entraînant, ils vont monter de niveau et ils vont acquérir des capacités au combat supplémentaires. Donc ici, je vais prendre un petit lutin parce que la salle du trésor, elle se remplit bien. Je vous dis ici, ça, en fait, ça va jamais se tarir. Donc ça va créer des revenus en continu. Donc ça va très très vite se remplir.
Par contre, là, l'antre, je vais en créer une autre. Non, pas ici. Ici, je vais agrandir ma salle au trésor. Je vais créer une antre ici. Plus grande. Parce que c'est un peu petit. Celle que j'ai créée est un petit peu petite. Et ils vont vite se retrouver à l'étroit. Alors, les lutins, hop, on va ici. Alors, au passage, vous avez vu qu'on peut sélectionner les créatures soit directement sur la carte, ce qui est pas très pratique, soit ici dans l'icône des monstres, on a le type de monstre et ce qu'il est en train de faire. Ça, quand c'est ça, ça veut dire que la créature est oisive, donc elle fait rien. Ici, ça veut dire qu'elle travaille, donc travailler, ça peut être soit s'entraîner, ça peut être aussi être dans une autre salle. Il y a d'autres salles où les monstres pourront faire quelque chose. Et ici, ça veut dire qu'elle est en train de combattre une autre créature. Voilà. Alors donc, il me dit agrandissez la salle du trésor. Je vais agrandir la salle du trésor. Donc, effectivement, sinon, en fait, il faut savoir que l'or récolté, tant qu'il n'est pas dans la salle du trésor, il ne nous appartient pas. Si l'or est posé au sol, même s'il a été récolté par nos lutins, il ne nous appartient pas. Donc, vous voyez ici, je vais pouvoir créer une anse plus grande. Et ici, je vais... non, pas là. Ici, je vais créer une place pour une autre salle. Je vais en profiter pour extraire de l'or, même si j'en ai pas besoin. Je vais créer une salle plus grande qui me servira pour la bibliothèque. Alors, attendez. Je vais leur dire d'arrêter de faire ça, sinon ils vont jamais y aller. Alors, je peux créer des lutins avec ce sortilège-là, le sortilège de création de lutins. Vous avez vu que ça coûte 750. Si j'en crée un, ça coûte 900. Puis 1050, puis 1200. En fait, plus j'en crée, plus ça coûte cher. Bon, je leur ai pas demandé de faire ça à eux. Vous voyez, il faut que j'agrandisse l'antre. Donc, c'est bien ce que j'avais dit. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, je vais créer une deuxième antre ici. Je pourrais mettre d'autres bestioles dedans. Vous voyez, lui, il avait pas de place. Il y avait un petit démon avorton qui cherchait une place. Il l'a trouvé. Hop. Je vais tous les rassembler au même endroit. Comme ça, ils vont pas me faire chier. Il y aura un peu plus de place ici. Vous voyez, quand on prend une créature et qu'on la met dans son antre, automatiquement, elle y va. Elle crée sa maison, en fait. Agrandissez la salle d'entraînement. C'est déjà trop petit. Vous voyez, j'ai eu raison de prévoir large. Hop. Donc ici, ils vont continuer à faire ça. Et dès que ce sera fini, on pourra construire la bibliothèque. Donc vous avez vu, ici, il y a un onglet sortilège. Mais pour l'instant, j'ai pas de sortilège. Et pareil, ici, un onglet... avec les pièges et les portes qui sont pas encore faits. Ce sera une autre salle qu'on verra après. Donc il faut savoir que les créatures à la base, ils sont autonomes, hein. Sauf quand là, par exemple, je les force à s'entraîner. Mais sinon, s'ils s'entraînent pas, ils vont aller manger, ils vont se reposer. Et certaines créatures ont une propension naturelle à faire d'une activité. Par exemple, le démon avorton, lui, il a une propension naturelle à s'entraîner. Les sorciers, par exemple, quand j'aurai construit la bibliothèque, les sorciers, eux, ils ont une propension naturelle à travailler dans la bibliothèque. Vous allez voir, merde, je veux pas faire ça, moi. Non, ce que je voudrais, Coco, c'est que tu t'installes là et que tu paves le sol, voilà. Et en même temps, il va se dépêcher, je fais une baffe. Voilà, comme ça, il se dépêche un petit peu, c'est pas mal. Alors vous voyez ici on voit les ennemis qui nous attendent. Et en fait ici on peut pas passer parce qu'il y a de la lave. Il va falloir attendre d'avoir découvert une salle qui s'appelle le pont, tout simplement. Donc la salle d'entraînement elle commence à être sacrément bien chargée. Alors vous voyez les chiffres qu'on voit, c'est ce que ça nous coûte. Chaque fois qu'une créature s'entraîne, ça nous coûte du pognon. Tout nous coûte du pognon concrètement. Donc là je vais construire la bibliothèque. Je vais pas la construire si grande tout de suite. Hop, je vais la construire comme ça, ouais, elle est bien comme ça. S'il me demande de l'agrandir, je l'agrandirai. Hop, voilà. Et donc, là, normalement, dans peu de temps, je vais avoir des sorciers. Et là, il me montre que j'ai créé une autre pièce qui s'appelle l'atelier. Donc l'atelier, je vais le créer ici. Je fais des grandes pièces pour qu'on voit bien, hein, mais au départ, à ce niveau du jeu... Le minimum de taille d'une pièce est 3 par 3. Si vous faites plus petit, ça n'a aucun intérêt. Donc là, les lutins, ils sont au taquet. Alors, faut savoir aussi qu'on peut entraîner les lutins, hein, si on n'a rien d'autre à faire. Parce que les lutins, une fois qu'ils ont pavé toutes les pièces et qu'ils n'ont rien à faire, ils vont fortifier les murs. Vous voyez sur la carte, quand une pièce comme ça a une ceinture marron, ça veut dire que les murs sont fortifiés. Vous voyez ici, c'est pas le cas. Il y en a un qui est en train de le faire.
Le portail, y a un petit, on le voit pas, ouais. On a vu ici. Il y a un petit lutin qui est en train de faire de créer des fortifications. Une fois que le mur il est comme ça, avec des briques, l'ennemi ne peut pas le creuser. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut pas arriver par dehors, comme ça, par nulle part, creuser et rentrer chez nous. Donc c'est important aussi de les laisser faire ça. Mais parfois ce sera pas forcément possible, parce que c'est long, c'est quand même long de fortifier. Vous voyez ici, je commence. Alors je vais leur redemander. Ils vont repartir ici parce que je commence à avoir plus trop de sous. Donc ici, je vais créer l'atelier. L'atelier, je vais le faire pas trop grand non plus. Hop. Donc l'atelier va pouvoir fabriquer ce qu'on appelle donc des pièges et des portes. Donc des portes pour sécuriser mon donjon et des pièges également pour sécuriser mon donjon. Donc ça, après, ce sera utilisé selon la configuration du donjon. Par contre, je suis étonné, j'ai pas encore eu de sorcier. Bon, ils ont accès à une antre. Je vais peut-être créer un couvoir. À côté d'ici. Je vais agrandir cette antre-là parce que c'est bien plein. C'est bizarre que j'ai pas encore eu de sorcier. Bon, ceci dit, c'est pas essentiel. Enfin, si j'ai pas de sorcier pour faire les recherches... ça va être un peu embêtant. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Parce que le sorcier, normalement, on peut aussi le créer d'une autre manière, mais pas dans cette partie-là. Alors, on peut l'attirer d'une autre manière. Et pourquoi ils se sont arrêtés, eux? Allez! Il faut savoir que le... La bibliothèque, en fait, on met des sorciers dedans. Bon, pas que, on peut mettre autre chose, hein, mais les sorciers, c'est eux qui sont le plus efficaces pour faire ça. On met des sorciers dedans. Et c'est eux qui vont créer des nouvelles pièces. Et des nouveaux sortilèges. Par exemple, là, ils sont censés me créer le sortilège, la pièce, le pont, en fait. Pour que je puisse créer un pont pour passer. Donc si j'ai pas de sorcier, ça va être emmerdant. Ce serait bien marrant que j'ai un bug d'IA, un bug de progression du jeu à ce moment-là, quoi. Pareil, normalement, ça, c'est censé attirer d'autres créatures. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je vais créer ici un truc. D'habitude, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Il y a peut-être tout simplement pas assez de place dans les antres, hein. De toute façon, dans la partie la plus avancée, je pourrais vous montrer les autres créatures. Là, vous voyez un petit peu la base du jeu. Mais normalement, dans la base du jeu, on a des sorciers qui arrivent ici. C'est un petit peu embêtant. C'est très bizarre. Hop, qu'est-ce que je lui ai demandé de faire à lui? Ah oui, ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est le nombre de créatures que je possède. Alors, est-ce que c'est pas justement... est-ce que j'ai pas trop de créatures? Parce que du coup, les sorciers n'arrivent pas. Alors sinon, il y a aussi un truc que je peux faire, c'est... je peux mettre d'autres créatures, hein. Je vais essayer. Mais normalement, ils sont pas spécialement aptes à travailler dans la bibliothèque, hein. Je pense pas qu'ils vont... Voilà. Si, ils font, ils bossent. Si, ça marche. Ah bah si, ça marche. Bon, ça va. Mais c'est bizarre que j'ai pas eu les sorciers. Donc là, maintenant, je peux construire des ponts. Donc ça va me permettre, en fait, d'atteindre... Vous voyez ici, de passer là et d'aller plus loin. Et j'ai inventé un nouveau sortilège, accélérateur de monstres. Donc ce sortilège là, je vais vous le montrer tout de suite. C'est facile, par exemple je prends... je vais aller dans une zone où on voit bien. Si on voit bien là, faut juste que je me retourne. Voilà. Oui, ici vous avez les lutins qui savent faire à récolter mon or. Et en fait je prends mon sortilège, je clique dessus. Je peux rester appuyé pour définir
pour définir la somme que je veux allouer au sortilège. Plus je reste appuyé longtemps, plus le sortilège va durer longtemps. Et là, en fait, les lutins que j'ai ciblés, ils vont plus vite. Ils vont plus vite à bosser, tout simplement. Alors j'ai inventé ralliement. Ralliement, c'est... en fait, je peux, par exemple... Si je veux que tous mes monstres aillent jusqu'ici après, par exemple, une fois que j'ai construit mon pont, aillent ici pour attaquer ces mecs-là, je fais ralliement. Et en fait, ça va créer un drapeau de guerre ici, et une petite trompette, et hop, ils vont tous arriver ici. Par exemple. Et ce sortilège-là, on peut, si on l'utilise dans une zone qu'on possède... qu'est-ce qu'il dit, lui ? Agrandissez la salle du trésor. Ouais, je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un petit peu. Alors il m'a dit il n'y a plus rien à inventer, ça veut dire que j'ai plus besoin de monopoliser des créatures pour créer en fait des on va les remettre à l'entraînement. J'ai plus besoin de monopoliser des créatures pour la recherche. Par contre, il faut pas détruire cette pièce parce que les sortilèges sont stockés dedans. Je sais pas si on les voit. Normalement, il y a des petits, voilà, ils sont là. Ils sont là, hein. Ralliement, accélérateur de monstres et guérison. Si par exemple l'ennemi prend possession de cette pièce, il va me voler mes sortilèges. Moi je pourrais plus les utiliser et lui, il pourra les utiliser s'il les possédait pas déjà. Et vous voyez ici, je vais quand même essayer de mettre des... Oui je sais, je m'en occupe. Je vais mettre quelques créatures ici pour qu'ils fabriquent des pièges. Mais c'est bizarre que j'ai que ces créatures là, d'habitude j'en ai d'autres. Je dois avoir un petit bug sur cette partie, mais c'est pas grave. Vous voyez, ici on va à plus vite. Ici on va agrandir la salle du trésor parce que effectivement je commence à être vraiment blindé. C'est le problème, enfin c'est le problème. Cette partie là elle est complètement cheatée à cause des gemmes. C'est pour ça que je me suis dit pour pas avoir de soucis avec l'argent sur cette partie, je vais, enfin sur ce test, au début du test ou du moins, je vais prendre la partie où il y a des gemmes en fait. Mais bon, c'était pas non plus la peine. Il y a moyen de faire avec, déjà avec le... Vous voyez qu'il y a plein d'or encore un peu partout. Il y en a un peu partout sur la carte. Allez, allez, bossez plus vite, bande de feignants. Hop, paf. Vous voyez, on peut aussi prendre l'or. Je peux prendre de l'or, par exemple. Et si j'ai envie de récompenser une créature, je lui mets sur la tête de l'or. Une portion d'or, et elle est contente. Parce que les créatures, je vous ai expliqué, ne... Bon, je vais pas donner à tout le monde non plus, hein. Les créatures, je vous ai expliqué, ne viennent chez nous que si les conditions sont réunies. Par exemple, normalement, là c'est pas le cas, mais normalement, le fait de créer une bibliothèque attire les sorciers. Le fait de créer un atelier doit attirer normalement une créature qui s'appelle le démon bileux. Vous avez vu dans le... que vous avez vu dans l'intro. Chaque créature a des besoins, donc est attirée par un certain type de salle. Et si on remplit pas les conditions, elle peut être ou malheureuse ou contrariée. Et au final, elle s'en va. Par exemple, tous mes créatures là que j'entraîne, si jamais à un moment donné elles sont mécontentes et que je les laisse partir, c'est des créatures bien entraînées qui vont s'en aller et qui peut-être iront grossir les rangs de l'ennemi. Parce que dans le jeu, on va affronter comme ici des héros, mais on va affronter aussi d'autres gardiens. D'ailleurs, en parlant de ça, on va peut-être essayer de faire quelques combats. Donc, pour faire du combat, on va d'abord créer un pont ici par-dessus la lave. Normalement les mecs ils vont se précipiter, ils vont venir. Si c'est pas le cas, je vais aller chercher des soldats. Enfin des soldats. Voilà, et je les prends et je les mets dessus. Sachant que si les mecs étaient venus jusqu'à mon donjon, et que... Enfin jusque chez moi, et que ils étaient tombés en contact avec les ennemis, avec mes créatures, ils se seraient automatiquement battus avec, quoi. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un lutin, je vais lui demander d'aller pavé ici pour que je puisse envoyer mes créatures. Je pourrais aussi utiliser le sortilège de ralliement, mais ça coûte du pognon quand c'est pas chez nous, quoi, quand c'est pas chez moi. Donc je vais le laisser faire, comme ça après je peux envoyer mes monstres casser la porte qui est là, et du coup ils vont pouvoir rentrer dans le donjon. Alors je sais pas si c'est un donjon vu que c'est des héros, mais ils vont pouvoir rentrer dans les salles qui sont là. Justement il y en a qui foutent rien là. Là ils vont casser la porte. Donc ça ressemble aux portes que moi je peux créer, hein. Donc là ils continuent à... Normalement faut faire gaffe parce que les lutins sont très fragiles. Et ils peuvent rentrer. S'ils rentrent en contact avec des ennemis, en général ils se font tuer assez facilement, assez rapidement. Donc là vous voyez, quand c'est blanc c'est à eux, quand c'est rouge c'est à moi.
Hop, un petit coup de rotation. Encore la salle du trésor qui est... Oh là, il va se faire attaquer, là. Je vais aller chercher des créatures. Voilà. L'archer, il est tout nul au corps à corps. Et puis, de toute façon, mes démons avortons, ils sont quand même très puissants pour cette partie du jeu. Et il faut savoir un truc, c'est que le démon avorton, si je le fais évoluer jusqu'au niveau 10, ça devient un dragon. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc là, je vais continuer à lui faire paver les zones ici. Alors, vous voyez, ici, il y a des sacs d'or qui sont restés là, planqués. Je peux les ramasser, hein. Je vais aller jusqu'à ma salle du trésor, je vais les mettre dedans. Hop. Vous voyez ici, il y a des salles, il y a des portes. Et donc après, je vais pouvoir envoyer mes créatures détruire ces portes. Et tuer ces soldats là. Enfin, ces mecs là. Voilà. Là, ils vont se battre avec. Mais c'est que des soldats de niveau 1 dans cette partie là, donc... Donc ça va. Et ici, vous voyez, il y a un truc. Ça, c'est des trucs. Alors, je vais vous zoomer, vous verrez mieux. Ces petites boîtes là, c'est des bonus qu'on peut trouver sur certaines cartes. C'est des bonus secrets. Enfin, secrets. C'est des bonus avec une aptitude. Par exemple, là, vous voyez, si j'arrive à la. Je vais réussir à l'avoir. Je vais juste envoyer mes gars pour qu'ils pavent le truc. Voilà. Allez, dépêche-toi, hop. Et ça, je vais pouvoir le récupérer. Une fois qu'il sera dessus, là, je peux pas, mais je pourrais le prendre dans ma main et je pourrais le récupérer. On va attendre qu'il le fasse. Là, c'est rallier un héros à votre cause. On va voir ce que c'est. Alors, rallier un héros. Vous avez ensorcelé, hein. Voilà, vous voyez, j'ai lui. Un archer. Un archer que je vais mettre à l'entraînement. Et lui, il m'a rejoint. Hop, ici il y a du monde. Hop, on va mettre ce petit monde là. Voilà. Et vous voyez, les héros, à chaque fois qu'on les tue, il y a de l'or. Hop. Moi je récupère tout. Hein. Il n'y a pas de petites économies. Donc ici on voit, il y a encore une zone. Mes soldats, enfin mes sbires, ils s'en vont. On va reprendre notre petit lutin et ainsi de suite. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Alors il y aura d'autres façons de faire avec un peu plus loin dans le jeu, on pourra faire autrement. On pourra faire, on aura d'autres stratégies. Alors hop, chacun sa porte. Voilà, et vous voyez ici il y a de l'or, je vais pouvoir le récupérer. Je vais prendre un lutin ici, un lutin là. Et chacun va récupérer la salle qui est là. Et après, il y a d'autres trucs ici à faire. Pareil, il va falloir que je construise un petit pont pour passer. Sachant que certaines créatures peuvent franchir la lave et l'eau. Par exemple, le dragon, il en a rien à foutre de la lave. Lui, il peut nager dedans. Les créatures volantes, comme la mouche ou la fée, peuvent voler par-dessus les étendues d'eau ou les étendues de lave. Mais les autres créatures peuvent... Les lutins, eux, peuvent aller dans l'eau. Hein, il n'y a pas de souci. Ils peuvent s'amuser à marcher dans l'eau. Mais s'ils peuvent éviter, ils le font pas. Donc ici, vous voyez, je vais construire un pont. Pour aller jusque là. Je vais faire un petit carrefour, là. Comme ça, c'est plus simple. Et ici, normalement, il y a encore des... on va récupérer l'or qui est là. Ah merde, la salle du trésor est pleine. Encore. Bah du coup, de toute façon, je m'en fous. Je peux très bien créer... Je peux très bien me servir des pièces qui sont là pour créer des salles au trésor, par exemple. Vous voyez, là, il y a de l'or. Et ben, je vais juste... C'est chez moi, maintenant, ici. Je vais juste créer une salle au trésor, ici. Qui va se remplir toute seule. Et ici, pareil. Sachant que là, je prends l'or à la main. Mais normalement, les lutins, ils viennent le chercher. Ils le prennent eux-mêmes. Mais le problème avec cette partie, c'est les gemmes. Je vais demander aux lutins d'arrêter de creuser. Sinon, il va passer son temps à me dire que la salle est pleine. Voilà, ils vont arrêter de creuser. Ce sera mieux. Donc ici, il y a encore des salles à explorer. Hop, on va choper ce petit monde-là. Ah, il y a encore un truc, là. Augmenter le niveau. Là, c'est une autre salle.
Hop, je vais en prendre un là, je vais le mettre là. C'est bien parce que augmenter le niveau, c'est sympa. Ça veut dire que tous nos monstres vont augmenter d'un niveau chacun, même les lutins. Donc ça fait gagner un temps considérable. Hein. Alors normalement dans une partie comme ça, augmenter niveau. Vous voyez, ils sont niveau 2 maintenant. Je sais pas si vous voyez bien, ils sont niveau 2. Hop, il est où lui? Ouais, niveau 2. Mais viens là toi. Vous voyez, niveau 2. Je vais pas le jeter dans la lave quand même, je suis pas salaud à ce point là. Ici encore des salles. À mon avis, il y a les mêmes de l'autre côté. Il y a encore des salles. Si on regarde la carte, normalement, il y a des salles ici. Il y a une porte là. Il y a des trucs là-haut. Donc, on va aller là. On va faire péter la porte. Alors, faut savoir que dans une partie comme ça, quand il y a des héros, en fait, le but, c'est de tuer tous les héros qui sont là. Ah tiens, là, il y a un donjon, par exemple. Ça, c'est le cœur d'un donjon. Donc là, ils vont le détruire. Il y a d'autres ennemis qui apparaissent là. Ah bah tiens, il est là le monstre, le grand maître, le grand monseigneur, il est là. Normalement, il faut une fois qu'on a tué la première vague d'ennemis, il y a une deuxième vague avec le grand seigneur qui vient de mourir, là, qui est là, il est en train de crever, qui est le chef des armées des méchants en fait, enfin des gentils plutôt. Nous, on est les méchants. C'est le chef des armées et une fois qu'on l'a tué, là ici, on doit tuer le cœur du donjon ennemi. Mais dans d'autres parties, il suffit de se débarrasser du maître des lieux, donc le grand seigneur. Ici, je vais construire une petite salle au trésor pour récolter l'or qu'il vient de perdre parce qu'il était pété de blé, le mec. Voyez, là, ils sont en train de le détruire. Le cœur du donjon ennemi est détruit. Voilà, vous avez écrasé vos opposants jadis si fiers, faites régner la terreur et la haine sur votre nouveau domaine juste pour rire. Et vous voyez ça, c'est de l'or. Hop, moi je suis déjà bien riche donc j'en ai que faire. Là, techniquement j'ai fini le niveau, je peux aller au niveau suivant. Je peux aussi m'amuser à fouiller un petit peu parce qu'il y a peut-être d'autres trucs cachés. Notamment ici, il doit y avoir un truc. On va voir ce que c'est ça. Alors, attends, viens là toi. Ouais, c'est de l'or, merde. Du coup, il faut qu'il le récolte, forcément. Allez, plus vite, plus vite. Hop. Je vous ai pas dit ça, le... Ah bah voilà. Les niveaux... si vous voyez, il y a une pièce cachée, là. Nouvelle créature dans le donjon, araignée. Bah, il est temps. Normalement, c'est une des premières créatures qu'on a, ça. Vous voyez, ici, il y a un petit quelque chose. Ah bah, c'était ça, en fait. L'araignée, elle était là. Les araignées là, en fait c'est des monstres cachés dans le niveau, des monstres errants. Et maintenant que je les ai trouvées, eh ben elles viennent chez moi. Alors, vous voyez, ça c'est pas mal. C'est un item qui s'appelle transférer créature. En fait ça me permet de garder une créature de mon choix pour le niveau suivant. C'est-à-dire que normalement quand on commence un niveau, on n'a que des lutins, on n'a rien d'autre. Et eh ben là, la partie suivante... Bon, attends, hop. Viens là toi. Ouais, je vais attendre qu'il le... En fait, ça aussi, il l'emmène, les lutins, il l'emmène pour le ranger dans la bibliothèque. Donc, on va attendre qu'il l'ait rangé. Et puis, on passera au niveau suivant. Pas au niveau suivant. On ira pas voir au niveau suivant, on va charger... on ira voir le briefing du niveau suivant et on ira charger une partie... Ah merde, du coup, je sais plus où il est parti. Lui, voilà. Ça, je vais le faire. Et vous voyez, il nous donne une liste et on peut choisir... on peut choisir en fait le monstre qu'on veut garder. Par exemple, je peux garder un démon avorton niveau 8. Donc le monstre, il est gardé pour la partie suivante, tout simplement. Donc là, j'appuie sur la barre d'espace pour zapper le niveau. Donc là, on en écoute. Lande de feu, là où il y avait autrefois un charmant petit village, il ne reste plus qu'un enfer de flammes. En vérité, vous avez vraiment amélioré la situation dans cette région. Même les fumées empoisonnées ont une odeur agréable maintenant. Voilà, donc ça, c'est le briefing de fin de notre assistant. Et il y a toujours un briefing de début. Je vais laisser le briefing de début de la mission suivante. On va écouter. Belle.
haches sanglantes de la guerre et la famine ont jusqu'à présent épargné ce trou perdu, laissant ses habitants dans l'ignorance de la véritable utilité de l'agonie et de la ruine. Il est intolérable que la plupart d'entre eux meurent de vieillesse. En général, c'est assez marrant le briefing de notre assistant, que ce soit le briefing de fin, le briefing de début, c'est assez marrant. Le jeu, bien sûr, entièrement doublé en français, hein. Donc là, on va pas regarder cette partie-là. On va aller dans le menu ici. On va aller charger une partie que j'ai appelée Doc Test. Et voilà. Ça, c'est une partie qui est un peu plus loin. Vous voyez la carte. Donc vous voyez que ça, tout ça, c'est mon donjon. Donc, vous voyez, il y a pas mal de pièces, pas mal de salles au trésor. En fait, le haut ici, c'est mon donjon. Ici, c'est une zone où il y aura des héros, donc je vais aller combattre. Là, il y a un gardien, enfin qui est le gardien vert, et là, c'est le gardien mauve. Voilà, on peut voir ici, on peut voir quelques monstres comme ça qui se promènent. Donc je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu des monstres que j'ai. Il faut savoir que dans ce jeu, je vous l'ai dit, chaque niveau apporte ses nouveautés, et c'est... des nouveautés, des nouveaux monstres, des nouvelles salles. Ici, il y a pas mal de choses. Vous voyez que j'ai... je peux vous montrer ici les sorciers qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Donc là, je le mets là, mais ça sert à rien. Vous voyez, on va zoomer, on va le voir. Le sorcier, il est là. Hop. On peut prendre un dragon. Le dragon, dont je vous parlais tout à l'heure. Démon avorton, vous l'avez vu. Le démon bileux qui est là. Hop. Alors, il me dit mes réserves d'or diminuent, donc ce serait pas mal que j'aille un petit peu explorer par là-bas. Bah, quoi que j'en ai de l'or, hein, mais en fait j'ai des gemmes ici, mais elles sont super super dures à creuser. Hop. Parce que normalement j'ai mis des salles au trésor là, mais ça c'est des roches impénétrables. Donc ces roches là, on peut rien en faire. C'est des murs naturels si vous voulez. Les monstres, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme monstres? Donc le scarabée, vous l'avez vu. L'araignée, vous l'avez vu tout à l'heure. Bah, j'en ai pas beaucoup plus en fait. Sachant qu'on en aura d'autres. Alors par contre, j'ai plein de nouvelles salles. Attendez. Ici, c'est l'atelier. Donc vous voyez que, contrairement à tout à l'heure, là, ils m'ont construit des portes et des pièges. Je peux m'amuser à mettre des portes. Par exemple, je vais construire une porte ici, une porte en fer. Je la mets là. Le fonctionnement des portes, elles s'ouvrent pour nos créatures, elles restent fermées pour l'ennemi, mais on peut aussi, en cliquant comme ça avec la clé, les forcer à rester fermées. Donc là, je vais pas le faire parce que ça n'a pas d'intérêt. Je vais mettre une autre porte. Attendez que je dise pas de bêtises, ici. Voilà, comme ça, on aura des portes qui servent pas à grand chose, que l'ennemi peut les détruire, mais ça permet de retarder l'ennemi. Les portes. Les portes, en fait, ça, le rôle des portes, ce sera surtout pour cloisonner votre donjon. Parce qu'un peu plus tard, vous aurez des créatures qui ne peuvent pas se piffrer. Par exemple, j'en ai pas là, j'ai pas de mouche. Mais l'araignée et la mouche sont des ennemis naturels. Donc, au sein même de votre donjon, si vous avez les deux, si elles se croisent, elles se tapent dessus. Ça, c'est un peu embêtant. Et donc, du coup, il faut s'arranger pour qu'elles se croisent pas. Il faut essayer de les mettre. Déjà qu'elles vivent pas dans la même antre. Il y a d'autres ennemis comme ça, il y a le démon bileux qui est là et les squelettes, il y a les vampires et les sorciers, etc. Donc alors attendez que je dise pas de bêtises, je vais vous parler, déjà je vais vous parler de la prison. La prison c'est, alors ça sert à emprisonner bien sûr les ennemis, à condition d'avoir activé ici la case prison. Si j'active ça, ça veut dire que à chaque fois que mes monstres vont attaquer un ennemi, ils vont le laisser pour mort, mais il sera pas mort. Et mes lutins vont le ramener presque mort ici, et il va rester en prison. Où il peut éventuellement mourir de faim, et où je peux en disposer pour le mettre dans la salle de torture, par exemple. La salle de torture, on voit, il y a les instruments de torture avec les petits opérateurs, là. Ça, je vous montrerai après comment ça marche. Et c'est assez intéressant. Ici c'est le quartier général. Dans le quartier général on peut constituer une équipe pour attaquer l'ennemi. Sachant que, je vais vous montrer le mode incarnation. On peut prendre un des monstres qu'il y a dans cette équipe et l'incarner. Le sort incarnation ou possession, il est là. Par exemple, ce dragon, je vais le posséder.
et je me retrouve en vue FPS. Là, je le dirige à la souris. Avec les touches numériques, je peux changer d'arme. Hop, là, j'ai l'arme 3. Je peux faire ça, par exemple. Voilà, ça va pas trop plaire. Parce que c'est des... Vous voyez, là, on a un autre, là. Je me dirige en vue FPS. Et donc, l'idée, c'est que... Alors, je vais me déposséder. L'idée, c'est que quand vous mettez dans le quartier général une équipe, vous pouvez incarner le leader de l'équipe. Et donc, les autres vous suivent et font exactement ce que vous faites. Et donc ça permet d'envoyer une équipe dans le donjon ennemi sans devoir paver, sans devoir passer par les lutins. Donc notamment ici, on va prendre des créatures, est-ce qu'il y a une porte derrière là? On va casser la porte. Non, venez là, vous. Ils veulent pas casser la porte? Ou alors il n'y a pas de porte, on va voir. Non, bon, c'est pas grave ce que je vais faire. Je vais prendre celui. Je vais prendre un dragon. Hop, que je vais mettre là. Que je vais incarner. Hop, 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 voilà. Que je vais incarner. Elle est où la porte? C'est celle-là la porte. Je crois. Non, ça c'est la porte de l'autre côté. Alors, vous voyez que la vision du dragon, elle est assez bizarre. Chaque personnage a une vision différente. Par exemple, une mouche aura une vision avec plein de petits... C'est con, je peux pas vous le montrer, je l'ai pas la mouche. Une vision avec plein de petits... Oh, j'en ai marre, je vais la virer cette porte. Voilà. Comme ça, je peux faire creuser les mecs, je peux les faire creuser. Vas-y, creuse. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Je sais qu'il y a des héros. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec la prison et tout ça. Voilà, là, il y a une nouvelle zone. Ici, je vais pouvoir accéder au donjon des autres. Et je vais également pouvoir accéder aux héros. Par contre, il n'y a pas grand monde qui s'entraîne, là. Qu'est-ce que c'est que ce travail, là? Il n'y a pas grand monde qui bosse, là. Attends. Là. Ça c'est bien ça. Et alors il y a un autre truc qui est bizarre, c'est que mon pouvoir il est tout bizarre. Hop, il manque des morceaux. Alors un truc marrant c'est ça. Vous voyez les poulets? Quand on leur fout une claque, je le dégomme. Mais par contre c'est pas très rentable parce que bah il faut qu'il les mange. Mais sbires, il faut qu'ils mangent les poulets quoi. Normalement ici on va arriver à un embranchement avec des portes. Vous voyez, il va plus vite d'un coup hein lui. Là vous avez entendu la voix d'un des gardiens qui me nargue. C'est le vert. Le vert il est très puissant. Le mauve pas du tout. Mais c'est dû à cette partie là en fait hein. Donc de préférence on va plutôt attaquer le mauve en premier. Mais d'abord on va aller voir les Hop. Qui c'est qui attaque qui? Qui attaque quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'où ils sortent ceux-là? Hop. Je sais pas d'où ils sortent ceux-là. Oh, bon, c'est pas grave, les mecs ils sont sur le coup. Et voyez, ils sont tous là, étendus par terre, avec un point de vie. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer mes lutins. Et ils vont ramener, en fait, les... Il y en a encore, là. Ils vont ramener, en fait, les cadavres, après, les presque cadavres. Hop, ils vont ramener les... Ah, je peux pas les envoyer jusque-là, c'est pas grave. Ce que je peux aussi faire, c'est utiliser le sort de guérison sur mes unités. Je peux le faire d'ici. Bon là, j'ai plus assez d'or, donc je peux pas le faire. Par contre, lui, il va crever. Hop, je vais l'enlever et je vais en amener d'autres. Hop, là, ils vont tous crever. Et comme ça, je peux utiliser mes lutins. Pour aller chercher les cadavres. Et vous allez voir un peu ce que je vais en faire. Donc vous voyez que si j'arrive dans ma prison. Dans ma prison j'ai donc tous ces mecs là. Je vais leur filer à bouffer. Alors mes araignées elles aiment bien aller dans la prison pour narguer en fait les prisonniers. Donc par exemple je vais prendre celui là qui s'est un petit peu requinqué. Attendez, j'arrive pas à la choper. Je vais prendre lui. Et je vais les mettre en salle des tortures.
Et là, ils vont se faire torturer, tous un par un. Alors, faut faire gaffe, vous voyez, la prison... Merde, là, j'ai pris une araignée. La prison, elle est... Si elle est trop pleine... Pourquoi j'arrive pas... Je sais pas pourquoi j'arrive pas à... Voilà, j'arrive pas à la prendre, elle. Voilà. Et vous avez entendu plusieurs fois, une victime de la torture s'est transformée en fantôme. Voilà, et en fait, quand on torture les créatures ennemies, il y a plusieurs possibilités. Soit ils se transforment en fantôme, donc ils meurent en fait, ils se transforment en fantôme. Soit ils parlent, et donc ils donnent en fait des infos sur le donjon ennemi. Soit Ah, j'ai plus d'or encore, là. Je vais leur donner à bouffer. Pour pas qu'ils meurent en prison. Alors, voyons, il n'y a plus d'ennemis, là, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Je vais dire à mes lutins de forêt, ici. Enfin, de forêt, de... Hop, là. Choper les réserves d'or qui sont ici. Et pour qu'ils aillent plus vite, parce que l'idée, c'est qu'ils doivent creuser et ramener, voyez, l'or dans la salle du trésor. Donc, je vais aller en chercher quelques-uns. Allez, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot. Voilà. Donc l'idée, c'est pour raccourcir en fait le trajet, tout simplement. Pour qu'ils chopent, ils aient plus d'or plus vite. Et là, je sais qu'il y a une pièce cachée. Donc je vais le... Je vais y aller. En fait, l'idée, c'est qu'avant d'affronter les ennemis, il faut... Enfin, d'affronter les autres donjons, il faut découvrir cette pièce-là. Et dans cette pièce-là, en fait, on va pouvoir avoir un certain avantage sur l'ennemi. Attendez, hop, lui, il va paver ici. Comme ça, je vais pouvoir agrandir cette pièce-là. Et ce sera pas mal. Bon, y a pas tant d'or que ça à récolter ici, mais enfin, c'est toujours ça de gagner. Parce qu'après, je sais qu'ici, je vais avoir accès à des gemmes. Je sais plus où c'est. Ici, ouais. Donc, il faudrait que je continue à creuser ici. Ici, il faudrait que je continue à creuser pour arriver jusque-là. Hop. Je vais en mettre deux sur cette mission. Donc là, ils ont beaucoup de chemin à faire à cause des... Ils ont beaucoup de chemin à faire pour atteindre le... Là, c'est le donjon ennemi, vous voyez. Pour atteindre le... Les salles de trésor, quoi. Hop, ici ça bosse, c'est bien. Donc je vous ai pas parlé de toutes les pièces. Alors ici vous voyez toujours la prison. Donc je vous ai dit, hein, si eux je les laisse crever de faim, ça devient des squelettes. Bah, je préfère les torturer, c'est plus sympa. Bon, je crois que dans l'eau j'ai chopé une araignée à moi. Hop, voilà, mon araignée je vais la laisser tranquille. Hop, voilà. On verra bien ce que ça donne. Alors vous avez donc la prison, ça je vous l'ai dit. La salle des tortures, je vous l'ai dit. Le cimetière. Alors le cimetière, c'est ça va à l'encontre de la salle des tortures. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas activer ça. Et du coup, au lieu d'avoir des prisonniers, on va avoir des cadavres. Et les cadavres, ils vont aller automatiquement dans le cimetière. Automatiquement. Les lutins iront mettre les cadavres dans le cimetière. Et quand vous avez un cimetière, quand vous avez une dizaine de cadavres qui se sont décomposés dans votre cimetière, hop, vous avez... Qui attaque qui encore? Oh là. C'est où ça? Ah d'accord. D'accord, ça attaque ici. Voilà, hop, il y en avait qui étaient cachés. Il y en avait qui étaient cachés, des monstres. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver parce que j'ai plus besoin d'avoir autant de... Hop. J'ai plus besoin d'avoir autant de prisonniers en fait. Donc je vais plutôt essayer d'avoir des cadavres pour avoir essayer d'avoir des vampires. Sachant que là, la pièce cachée, c'est un cimetière. Hein, c'est pour les vampires. Voilà. Et là, du coup, ils vont pouvoir aller. Hop. Ils vont prendre ça, le cadavre. Et ils vont aller le mettre dans le cimetière. Il y en a encore un là. Voilà. Là, je fais ça pour que ça aille plus vite. Hein. Il y en a encore deux là.
Faut se dépêcher de les prendre parce que sinon ils se décomposent sur place et on peut pas les ramener quoi. Allez, va le chercher. Il veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Là, il va creuser ici. Ici, il faut creuser pour accéder à la pièce. Ah non, ici on peut pas. Ici on peut. Ah c'est bon, on a trouvé. Ouais, ça c'est le cimetière. Eh ben, il y en a un autre cimetière. Et là, on a les vampires. Alors par contre, le truc à faire avec les vampires, il faut éviter à tout prix qu'ils rentrent en contact avec les sorciers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les faire habiter ici. Alors les vampires, ils sont où? Ils sont là. Voilà. Ils vont habiter ici. Et je vais leur faire une petite salle d'entraînement. Merde. Je vais leur faire une petite salle d'entraînement ici. Alors, revenez là, les vampires. Hop. Voilà. Je vais faire un couvoir à côté. Comme ça, ils auront à bouffer. Parce que si vous voulez, le problème, c'est que s'ils se rencontrent, ils vont se taper dessus. Et moi, j'ai pas trop envie qu'ils se tapent dessus, quoi. Parce que mes sorciers, ils sont puissants. Et ils vont... Alors du coup, ils me disent que mon cimetière est trop petit. Il y en a un autre de l'autre côté. J'aurais peut-être dû l'agrandir. C'est pas très rentable ce que je fais là, mais bon. Je vais le faire quand même. Ouais, ça coûte assez cher, hein. C'est des pièces qui coûtent assez cher. Il y a une autre pièce que je vous ai pas montré, c'est la salle d'enrôlement. En fait, ici, par exemple, si je veux attirer plus de... Je sais pas, moi... Si je veux attirer plus de cette bête-là, par exemple, je vais en mettre une dedans. Et en fait, ça va me coûter... Bah, elle s'en va. Non, je veux que t'ailles l'autre. Ça marche pas avec eux. Pas sorcier, peut-être. Oui, il est invisible, mon sorcier. Voilà. Vous voyez, là, il va essayer d'enrôler des d'autres sorciers... éventuellement de l'ennemi qui pourrait venir se rallier à moi. Voilà, c'est une salle qu'on utilise plutôt en fin de jeu, ça, la salle d'enrôlement. Donc là ça bosse, ici ça bosse, c'est bien. Donc là on a pas mal avancé, on a pas mal de créatures, mais bon après je vais peut-être pas finir la partie, hein. Un truc que je voulais vous dire sur certaines créatures, vous voyez, c'est que toutes les créatures n'arrivent pas par le portail. Vous avez vu, le vampire, pour l'avoir, il faut le cimetière. Le dragon, on peut l'obtenir soit en le faisant... Non, je me trompe de salle. Soit en le faisant venir, soit en faisant monter un démon avorton jusqu'au niveau 10. Mes fantômes, je vais les faire s'entraîner, parce qu'ils foutent rien, là. Voilà, on va les faire s'entraîner un petit peu. Parce que les fantômes, quand ils ont rien à faire, ils vont dans le temple. Ah oui, je vous ai pas parlé du temple, tiens. Je vous ai pas parlé du temple. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer dans le temple? Non, mais je peux pas faire de sacrifice intéressant. En fait, le temple, ça a deux usages. Déjà, ça loge les fantômes. Sachant qu'ils ont, quand même besoin d'un endroit dans l'antre. Ça sert à apaiser les créatures. Par exemple, je sais pas, moi, si une créature est malheureuse, je peux la mettre dedans et elle va prier et ça va l'apaiser, ça va aller mieux. Et je peux aussi les sacrifier, c'est-à-dire que en mettant quelques créatures dans les fonds là, dans l'espèce de bain qui est là, je les sacrifie et ça produit un effet. Par exemple, si je sacrifie une araignée et une mouche, ça crée un sorcier, par exemple. Certaines créatures ne peuvent être créées que par les sacrifices, notamment le grand cornu que vous avez vu dans l'intro, qui est sur la pochette du jeu. Le grand cornu, on ne peut l'obtenir qu'en sacrifiant des créatures. Il y a une créature que j'ai pas là, ça m'embête parce que c'est une créature qui est emblématique du jeu. C'est la maîtresse noire qui adore la salle des tortures, mais elle, je ne sais pas pourquoi, je l'ai pas eu. Vous voyez, mes créatures se battent entre elles. Voilà, ça. Ça ne va pas du tout, ça. J'avais demandé à ce que mes vampires restent à leur place. Alors, je vais vérifier qu'ils sont tous là. Voilà. Un truc qu'il faut savoir, là, mes vampires, ils sont niveau 3. À partir du niveau 3, ils sont immortels. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas mourir. Ça veut dire que quand ils meurent, ils repopent dans leur antre avec un niveau en moins. Donc, par exemple, un sorcier de niveau 8...
il va pouvoir mourir à peu près 5 fois avant de mourir définitivement. Donc ça, c'est super énervant pour l'ennemi. C'est pour ça que le vampire est une unité quand même assez puissante. Par contre, il faut l'isoler, notamment des sorciers, parce qu'ils peuvent pas se voir en peinture. Et je suis assez étonné d'ailleurs que j'ai un squelette là, qui s'est pas encore battu avec le démon bileux, parce que normalement ils peuvent pas se piffrer non plus. On a réserve d'or 10 minutes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer un autre château, un autre donjon. Ça nous fera, ça fera de l'occupation. Parce que si on a plus d'or, nos créatures, elles veulent plus se battre. Elles commencent à devenir énervées. Elles commencent à... voilà, hop. Elles commencent à s'énerver. Elles commencent à... allez, butez-moi ça, voilà. Oh là là, ça va être... hop. Allez, on y va. Alors eux, par contre... eux, ils sont chiants. Vous allez retourner là. Hop, parce que mes vampires, le problème, c'est que j'ai pas envie qu'ils se battent avec... j'ai pas envie qu'ils se battent avec les sorciers. Voilà. Ou alors, faut que je les envoie au casse-pipe. Je vous montre un truc, là. Si j'envoûte un sorcier... un vampire, je vois rouge. Hop, je vais prendre l'arme numéro 3. Ah, vous voyez, je me promène. C'est moi le... par contre, c'est un peu long à faire, ça. Bon, je vais reprendre l'arme numéro 1. Sans eux, je peux les buter facilement. Hop, je vais voir si je trouve le... ah bah voilà, j'ai trouvé tout de suite le cœur du donjon. Là, je vais me désenvoûter. Et lui, normalement, il va rester là. Il va rester là. Ce qui serait bien, c'est que j'en amène un autre. Alors... ah bah tiens, un nouveau vampire. Vous avez entendu, un vampire s'est levé dans mon cimetière. Hop, vous revenez là, vous. Hop. Bah, ils veulent pas y aller. Ce que je vais faire exactement la même chose. Je vais envoûter... hop. Non, pas lui. Lui, je vais aller le... ouais, je peux plus entraîner. Alors, ça, c'est parce que j'ai pas demandé à mes lutins de... d'extraire tout l'or qu'il y avait encore ici, parce que je suis occupé à vous parler. Etc. Qu'est-ce que je peux vous parler? Les sortilèges. Vous voyez, si on est sur les sortilèges, vous voyez qu'en plus de ceux que je vous ai déjà montrés, il y a invisibilité, la foudre. Bon, ça, j'ai plus d'or, donc je peux pas vous montrer. Ça, c'est protection. Ça fait que les ennemis ont plus de mal à nous tuer. Ça, c'est pour régénérer la santé de mes créatures. Éboulement, c'est pour faire tomber des pierres sur eux. Épidémie, ça, c'est excellent. En fait, vous rendez un ennemi malade et il va lui-même rendre malade les ennemis, les autres personnages de son camp qui va toucher. Et après, il y a d'autres sortilèges comme Galinamorphose. Ça transforme les ennemis en poulets. Hop, ça, c'est excellent. Allez, ouais, encore mes créatures qui se battent entre elles. Putain, prends ça, toi. Je sais pas pourquoi je te frappe. Voilà. Allez, boss. J'aimerais bien qu'il bosse un peu plus vite, lui. Peut-être l'accélérer un peu. Voilà. Ouais, rien ne vaut une bonne baffe. Comme ça, je... oh là là, et on a chopé cette salle-là qui a un poste de garde. Cette salle-là, en fait, on peut mettre certaines créatures dedans et elles y restent et elles donnent l'alerte s'il y a des ennemis qui passent à proximité. Ça peut être pas mal aussi. Alors, ouais, j'ai du mal avec l'or dans cette partie parce que j'arrive pas à avoir de l'or de manière régulière. Chose qui va changer vu que normalement il y avait des gemmes ici. Je sais pas où elles sont. Ou alors je suis dessus. Ouais, je suis dessus. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Et là je devrais avoir des revenus un petit peu plus réguliers. Parce que de toute façon je vais récupérer le donjon du voisin. Ouais, je peux aussi attaquer moi-même le cœur avec ce sort là. Voilà. Sous le temple, c'est le problème, c'est les fantômes, ça prend de la place dans le temple.
Elle me dit que j'ai pris le contrôle d'une contrée, j'ai pris le contrôle du portail de l'ennemi. Et j'ai battu un ennemi gardien. Donc là, j'ai détruit son temple. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, toutes ces parois sont poreuses. Et donc, par exemple, je vais pouvoir relier ici. Ils vont prendre le contrôle des salles. Les unes après les autres, en fait. Donc c'était pas très dur parce que en fait l'IA s'est mal développée dans cette partie. Il y a un des deux gardiens qui s'est mal développé. Par contre le gardien vert, lui, il est plus puissant. Hop, donc là ce que je vais faire c'est ça. Bon, ça suffit maintenant. Oh, tu vas là. Voilà, je sais pas pourquoi tu vas là. Là je vais choper cette salle au trésor, ce qui va me permettre de creuser ici. S'il se dépêche. Putain, encore. Lui, je vais le mettre là. J'ai pas trop envie qu'il me tue tous mes vampires, parce que ça revient quand même cher à faire des vampires. Voilà, ici, je vais pouvoir normalement avoir de l'or de manière beaucoup plus sympathique, puisqu'il y a des gemmes. Il y a des gemmes ici. Et donc je vais faire exactement comme dans la partie d'avant. Je vais mettre la salle au trésor juste à côté. Ça va monter un peu moins vite. Parce que il y en a pas trois, mais il y en a une. Ah, ils se battent encore eux. C'est pas possible ça. Merde, ça suffit hein. C'est qui attaque? Oh là, ça y est, l'ennemi, le vert commence à m'attaquer. Eh ben on y va. C'est parti. On y va. C'est pas fait attendre. Hein. Vous voyez, voilà. C'est un peu bordélique les combats. Hein. C'est un petit peu bordélique. Vous voyez, lui, il a mis le sortilège de ralliement. Donc quand il met ça, ça veut tout simplement dire que ils vont tous se pointer là. Après il y a du monde, hein, il y a du monde. Par contre faut pas qu'ils se barrent tous parce qu'il y a encore des mecs là. Mais bon concrètement là, j'ai quand même bien géré. Hop, donc lui, faudrait qu'il... Alors, voilà d'autres ennemis. Hop, qu'on va mettre. Voilà. Normalement, je devrais pas pouvoir perdre cette partie parce que j'ai quand même beaucoup d'unités. Je peux m'amuser à les soigner directement à partir de cet écran-là. Vous voyez, je peux les soigner directement à partir de là. Sachant que les ennemis se soignent tout seuls quand ils vont... dans leur entrain. Hein. Pas les ennemis, mais les personnages. Se soignent tout seuls quand ils vont dans leur entre. Bon, et ça les dérangerait de... Ah bah, voilà d'autres monstres. Hop là. Moi, j'ai des sorciers de niveau 7, des trucs comme ça, donc... normalement, ça devrait le faire. En fait, les lutins, ils sont peureux. Dès qu'ils voient... Hop là. Dès qu'ils voient des... Hop là, où tu vas toi? Toi tu vas là. Va plus vite toi. Vous voyez, un vampire s'est levé parce que j'ai eu plein de cadavres. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas encore dit sur le gameplay avant de passer à la technique? Voyons. Non, ça j'en ai parlé. Hop, donc je vais vous parler de la technique. Vous avez vu que le jeu se compose d'une vue 3D libre, c'est-à-dire qu'on peut tourner dans tous les sens. Donc là, lui est en train de péter la porte. Ce serait plutôt bien qu'il... attendez, hop, j'ai plutôt envoyé des mecs bien armés, quand même. Ah bah, ils veulent pas. Bah, barrez-vous. Barrez-vous les lutins, et vous, y allez. Je sais pas s'ils vont péter la porte si je les mets pas juste en face. Mais merde. Je vais devoir encore une fois faire moi-même. Ce qu'il y a de bien, c'est que le...
Hop là. Ah merde, j'ai tué un de mes trucs à moi. Ah tiens, ça c'est un dragon. Oh putain, l'affichage il morfle là. Je sais pas un dragon de quel niveau. Je suis en train de crever méchant là. Hop, je vais faire ça. Je vais plutôt prendre des créatures. Je vais les envoyer. Là, je suis dans le donjon de l'ennemi. Là, forcément... Putain, pourtant, je pensais que j'avais pété la porte. Ah, du coup, ça va pas marcher, forcément. Ils sont toujours en train de péter la porte. Hey, tiens bon, hein, mon petit sorcier, là. Bon, ça, c'est pas très efficace, le sort de foudre. Ouais, c'est assez bizarre. Comment... Ah là, c'est bon, ils ont réussi à passer la porte. Ils ont réussi à passer la porte. Ah non, même pas, c'est une autre porte. Ah, en fait, ils les ont laissés rentrer, quoi. Tout simplement. Ouais, parce qu'en fait, c'est une porte en acier, c'est plus dur à... C'est plus dur à péter, quoi. On va voir s'ils pètent la porte. Ouais, c'est bon, ils vont péter la porte. On va pouvoir passer. Donc je vous disais la technique, le jeu est en 3D pour ce qui est du décor. Le décor est en 3D, vous voyez c'est une 3D assez particulière parce que quand vous regardez, il y a une option qui permet, donc option graphique, qui permet de changer en fait le type d'affichage. Ça c'est un affichage, là on a un affichage en 3D ISO. Sinon on peut avoir un affichage en vue de dessus qui est beaucoup moins sympathique et qui est pour les configurations les plus faibles de l'époque. Et vous avez aussi... C'est pas ça. Hauteur des murs. Surface affichée. Non, c'est pas ça. Il y a un truc normalement. Hop. Ombre. Non, c'est pas ça. Il y a un truc normalement. Hop. C'est où ? Menu son, menu assistant, non, c'est bizarre. En fait, il y a un truc normalement qui permet de gérer si on veut que l'affichage soit comme là, les murs et tout sont un petit peu déformés et on peut l'enlever ça, mais j'arrive pas à l'enlever, bon, c'est pas grave. Normalement, on peut l'enlever. Donc, j'en étais où ? J'en étais là. Donc je vous disais affichage 3D libre, par contre, il n'y a que le décor qui est en 3D, tout ce qui est ennemi. Non, pourquoi je prends des... Non, ils vont rien faire du tout, eux. Ce qu'il me faut, c'est des lutins pour qu'ils me... Qu'est-ce qui se fait attaquer? Où ça? Ah, il est encore là, lui! Bon, on va le laisser faire, normalement, il devrait le battre. C'est incroyable, ça. Il n'y a plus beaucoup d'ennemis, hein, dans le donjon vert. Il est pas si fort que ça, le mec. Donc l'affichage est assez joli, c'est un jeu qui techniquement tenait bien la route à l'époque, était assez impressionnant, qui n'utilise pas l'accélération directe 3D, en tout cas pas dans la version de base. Après on peut appliquer un patch direct 3D. Je vais mettre un dragon de chaque côté pour les portes, ils vont péter les portes vite fait. Donc le jeu peut être accéléré en 3D, mais à mon sens c'est pas utile. Voilà, le jeu est déjà... très joli pour l'époque et encore maintenant, même sans l'accélération 3D, je trouve. Par contre, le mode FPS, il est carrément moche. Hein. Même si on appréciera de voir l'affichage changer en fonction de la créature qu'on pilote, en fait, le mode FPS, c'est pas le plus beau, loin s'en faut. Hein. Mais bon, on l'utilisera ponctuellement. On l'utilisera soit, comme j'ai fait là, pour aller un peu plus vite, soit pour guider en fait une équipe d'ennemis vers le cœur du donjon ennemi. Bon, lui a réussi à péter la porte. Je vais hop envoyer mes lutins pour réquisitionner les salles. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce... Il y a quand même un mec qui est bloqué là. Qui est depuis tout à l'heure en train de taper. Qui est-ce qui se fait attaquer? Alors c'est où ça? Ah, c'est encore lui. Eh B. Je vais le laisser faire parce que il a réussi à le battre de toute façon. Les sorciers, c'est super puissant. Donc là, j'ai récolté cette salle-là. Il y a encore des portes.
Donc je vais utiliser les dragons oisifs qui vont s'en occuper. Voilà, vous voyez, il n'y a plus d'or, il n'y a plus rien. Bon, on va dire que cette partie, elle est bientôt terminée, hein. Le jeu, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc jolis effets de lumière, jolis effets de fumée, vous voyez des petits effets de lumière autour des salles, les effets de fumée. C'est vraiment un beau jeu. À l'époque c'était un beau jeu et c'est un jeu qui n'a pas spécialement vieilli au niveau graphique, la patte est toujours là. Le seul truc qui peut poser souci, c'est qu'effectivement... Ah bah il n'y a personne là, ouais. C'est qu'effectivement les ennemis sont des sprites en 2D, donc c'est pas super super joli. Je peux zoomer, je peux vous montrer, c'est pas super joli quoi. Voilà. Mais à part ça, non mais ça sert à rien de péter cette porte là. Fais plutôt celle là. Voilà. Mettez-vous-y à deux. Là j'ai récolté cette salle là. Je vais envoyer quelques sorciers ici. Donc, normalement il vaut mieux quand même péter le cœur du donjon, ça va plus vite. Le truc c'est que là il est tout seul. Le gars là a pété le cœur du donjon, je vais essayer de l'aider un peu. Voilà. Alors il y a des ennemis là-bas. Ah il était en salle d'entraînement. Ah par contre là il y a du dragon niveau 9, niveau 10. Ah bah ah non ils sont repartis. Revenez ici vous. Alors ce que moi je veux faire c'est ça. Ah il est fait popper là en fait. Il est fait popper là donc hop. Toi tu y vas. Je vais me préparer. Voilà là normalement il devrait attaquer. Voilà. Ça c'est bon ça. Donc, le démon bileux il devrait se faire buter. Par contre le dragon niveau 10 bon ça va être un peu plus long. Ah, il s'amuse à le faire popper, repopper. Donc je vais mettre mes propres dragons parce que j'en ai aussi des gros niveau 10. Ça devrait aller. Ça devrait aller tranquille. Bon, le cœur du donjon il part tout doucement là. Et vous voyez que le sorcier il arrive à se régénérer tout seul parce qu'il a un sort de régénération. Vous avez vu que chaque créature a ses propres attaques et ses propres sorts. Vous voyez, il est mort le dragon niveau 10, il est mort. Maintenant je peux renvoyer mon lutin pour contrôler cette pièce. Un donjon relativement bien défendu parce qu'il y a des portes à chaque pièce. Mais par contre le cœur est pas très très bien défendu hein. Ah tiens, ils ont retrouvé un autre dragon. Vous voyez qu'ici, si je veux, je peux appliquer des sorts directement dans cette fenêtre là. Vous voyez, ici je peux appliquer des sorts sur mes... Voilà, je peux appliquer des sorts directement sur eux. Voilà, ils ont encore battu un dragon. Ici, il y a encore une porte, donc je vais encore devoir la péter. Je vais vous parler également de la partie sonore. Donc vous avez vu que le jeu est entièrement doublé en français, que ce soit par les textes ou par la voix. Avec beaucoup d'humour, notamment dans les briefings de notre serviteur, mais pas seulement, hein, dans les textes, dans les petites bulles qui apparaissent ici, il y a beaucoup d'humour. La musique, elle est tantôt soft, un petit peu ambiance, un petit peu inquiétante, tantôt rock. C'est Russell Shaw qui a signé la musique. Russell Shaw, c'est le même qui avait signé la musique, pareil, très, très angoissante, très ambiance de Syndicate Wars. Donc c'est un fidèle complice de Peter Molyneux de l'époque. C'est une bonne musique, quoi. Ça crée une très très bonne ambiance. C'est super sympa. Voilà, un jeu très joli et avec une bonne ambiance. Clairement, l'ambiance est très réussie. Notamment dès qu'on survole une salle comme là, on entend les bruitages de cette salle. Vous voyez, si je survole par exemple le cimetière, j'entends les cloches d'une église hypothétique qui sera à côté du cimetière. J'entends les pas, par exemple là j'avais le dragon. Je sais pas si vous entendez. Hop, si je m'approche de lui, je l'entends marcher. Ah non, ça va pas recommencer hein, les vampires qui se battent contre les... Voilà. J'ai pris le contrôle d'un portail, donc ça c'est bien. J'ai pris le contrôle de ce portail là, et donc là il n'y a plus qu'à en finir avec le cœur du donjon. Encore ? C'est pas possible ça.
Oui, c'est normal qu'ils se battent entre elles puisque c'est jour de paye, donc ils vont tous. Quand c'est jour de paye, en fait, ils vont tous chercher leurs sous physiquement, ils vont chercher leur argent dans la salle du trésor. Et donc, ils peuvent éventuellement, le jour de paye, se rencontrer. Bon, par contre, je vais utiliser des. Le problème, c'est que avant le jour de paye, ils veulent rien faire. Je vais utiliser des sorciers pour péter les portes parce que. Sinon, c'est une catastrophe, c'est trop long. Avec les lutins tout seuls, c'est trop long. Hop. J'aimerais bien pouvoir envoyer des soldats aider, enfin des soldats d'autres créatures aider ce petit bonhomme là. Parce que ça ne suffit pas. Vous voyez, c'est pas suffisant ça. Je sais même pas si ça marche. C'est pas suffisant. Vous voyez, plus le cœur du donjon est touché, plus il rétrécit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler mes sorciers. Ça leur évitera de se battre contre les vampires. Voilà, et puis maintenant, bah, ils vont tout simplement attaquer le donjon tout seul comme des grands. Et ça devrait aller nettement plus vite. Donc vous avez vu, un des défauts de ce jeu, c'est que les combats peuvent être rapidement brouillons. C'est rapidement le bordel, alors il faut pas hésiter à utiliser l'interface qui est là. Pour pouvoir régénérer des créatures, les soigner, etc. Plutôt que d'essayer de les choper directement depuis la carte en fait. Voilà, on a battu un ennemi gardien, c'est le deuxième. Hop, il est temps d'infliger un peu de supplice aux pitoyables habitants de ce territoire. Donc là, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus personne. Je vais aller là parce qu'ils vont me récupérer la pièce avec tous les sortilèges. Peut-être que je vais en avoir des nouveaux. Cette salle appartient à l'ennemi. Hop, dépêche-toi, toi. Donc il y a que les combats qui peuvent être un petit peu brouillons. La stratégie de combat, elle est pas forcément super organisée. C'est pas comme dans un RTS où vous pouvez créer des. Je sais pas si j'ai eu. Non, j'ai pas eu. J'avais plus de place pour d'autres sortilèges. Eux, ils s'entraînent. Donc là, ils vont me choper les salles une par une. Et puis après, de toute façon, la partie est finie là. La partie est terminée. Donc je vais barre d'espacement. On va débuter la partie suivante. Et puis on s'arrêtera là. Hein. Nous avons mis le feu à cette ville-là. Il brûle encore avec une intensité féroce et surnaturelle qui nous empêche d'approcher. Mais nous savons que vous allez beaucoup aimer l'endroit quand il aura un peu refroidi. J'ai fait un top score. Oui, je le mets en gras. Je l'ai pas fait exprès. Alors, on va voir où on arrive, là. Niveau suivant. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, la carte, elle a quand même bien évolué. On va y aller et puis on va s'arrêter là. C'est un test qui va durer un petit peu longtemps, je pense. Donc là, tiens, une originalité, c'est qu'on démarre avec un donjon déjà... avec les pièces qui sont déjà presque faites, en fait. Vous voyez, il y a déjà des pièces qui sont créées. Il y a des monstres errants que je vais pouvoir choper. Il y a deux portails. Donc un prix... Ici déjà, on va commencer par construire la salle du trésor autour de ces gemmes là, ça peut être sympa. Ça c'est une carte qui est plutôt sympa. Hop. On va construire alors entre, on a dit on va construire un entre ici. Etc. Donc, c'est un jeu qui est... comment vous dire? Au niveau de la difficulté, c'est un jeu qui a une difficulté graduelle. Sachant que les... On va dire les 10... Il y a une vingtaine de niveaux. Les 10 premiers, c'est... Ça tient plus du tuto qu'autre chose. Et ensuite... ensuite, par contre, ça se corse. Ça se corse. Sachant que le jeu a connu un add-on... attendez, je vais pas mettre ça là. Je vais le mettre là... Le jeu a connu un add-on qui rajoute une quinzaine de niveaux, plus des cartes en multi, parce que le jeu est jouable en multi, bien évidemment. Chacun incarne un gardien, vous l'aurez compris.
On a une version remasterisée qui s'appelle Dungeon Keeper FX, qui rajoute en fait une qualité graphique beaucoup plus évoluée. Et il y a eu un patch Direct 3D, ça je vous en ai parlé. Donc le jeu a une difficulté qui score vraiment vers la fin, mais ça monte graduellement. Ça monte suffisamment graduellement pour être très plaisant. L'ambiance, évidemment, l'ambiance du jeu, c'est ce qui fait tout le sel de ce jeu. C'est son ambiance absolument exceptionnelle. On joue les méchants, hein, pas pour la première fois, mais on incarne les méchants. On a plein d'actions possibles. On peut torturer, on peut emprisonner, on peut incarner les créatures. C'est quand même assez puissant comme gameplay. On aura pas mal de monstres, dont certains qui seront plus dangereux parfois pour nous que pour l'ennemi, comme le Grand Cornu. Le Grand Cornu, c'est typiquement la créature qu'il faut isoler des autres, parce que, avec les portes notamment, en fermant des portes, en faisant un donjon dans le donjon, pour éviter qu'il ne... Parce que dès qu'il est contrarié, le Grand Cornu, il bute les autres habitants du donjon. Donc il faut faire très attention à ça. J'ai même pas regardé la carte. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Donc en fait, là, on a une barrière, là, ici, et... Ça, c'est des monstres errants qui vont être ralliés à nous, logiquement. Et ça, c'est les mouches qui sont à nous, qui se promènent. Hop, on peut construire, par exemple, la bibliothèque ici. La salle d'entraînement, d'abord. D'abord, une petite salle d'entraînement ici. Donc, je vous disais, Dungeon Keeper, c'est un jeu qui est anthologique. Hein, c'est un jeu qui est vraiment mythique des idées que pouvait avoir Molineux à l'époque. Déjà, il y a déjà plus de place dans l'antre. Ah oui, il y a beaucoup de mouches. Ouais. Mouches, ça sert à rien, mais bon. L'antre, voilà. Tac, on va en créer une autre ici. Oh, il y a un petit problème de souris là. Donc c'est un jeu que je vous conseille, mais que je vous conseille plus que... C'est plus que vous le conseillez, je vous le recommande chaudement. Parce que c'est vraiment un jeu excellent, quoi. C'est vraiment un jeu excellent. Et c'est des heures et des heures de fun. Après en multi, je sais pas si on peut encore y rejouer aujourd'hui. Peut-être dans la version Dungeon Keeper FX, qui apporte quand même pas mal de changements, même au niveau de l'IA. L'IA a été modifiée. Elle est pas forcément très maligne, l'IA, dans la version de base, mais dans les versions ensuite, elle devient quand même un petit peu plus maligne. Faut bien faire attention à ça. Mais sinon, de base, c'est vrai que dans la version de base, si on met pas les premiers patchs qui sont sortis, l'IA, elle est un petit peu conne. Mais bon, ça, c'est un petit problème de développement. Donc, à l'instar, en fait, des Theme Hospital, Syndicate, Theme Park... Peter Molineux signe un jeu qui a fait la réputation de Bullfrog. Un gameplay aux petits oignons, originalité, humour, ton complètement décalé. On incarne les méchants, encore une fois, c'est absolument génial. On torture, on met en prison, etc. On peut foutre des baffes à nos sbires, donc il va plus vite. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça marche pratiquement sur tous les ennemis, ça, sur toutes les créatures. Oui, j'arrive pas à me faire à l'idée que ce sont nos créatures, je dis toujours les ennemis. C'est pas des ennemis, c'est nos créatures. Donc ça, c'est excellent. Le tout servi par une bande-son ciselée et angoissante et un graphisme soigné avec une totale liberté de mouvement, puisque on n'est pas gêné par la caméra, puisque c'est nous qui la dirigeons. Donc même si ça peut paraître un petit peu brouillon au niveau des combats, on y arrive quand même. Donc jamais on n'aura pris autant plaisir à diriger une horde de monstres sanguinaires et torturer les gentils. Le jeu peut paraître rapidement bordélique, mais en maîtrisant un petit peu l'interface avec les petites notifications ici, quelques raccourcis clavier, on est très à l'aise. Voilà. Un jeu excellent, tout simplement. Je vous le recommande. Je vous dis, je vous le recommande plus que chaudement, ce Dungeon Keeper. Merci à tous d'avoir suivi le test de Dungeon Keeper sur PC. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Doc McCoy. Salut!